Alors, où on en était? Un petit drop, dis donc. Un petit drop sur le changement de scène. Impressionnant. Mettre ça où là? Mettre ça là. Bon. Alors, l'impression que c'était il y a 6 mois qu'on a joué. C'était hier. À propos de Shaïda, après avoir tué le crocodile, le mec retourne voir ses amis de Ye. Salut Mystic Game. Comment ça va? Après avoir tué le crocodile, le mec retourne voir ses amis en deuil, machin. Ça me brisait. Ah oui, il faut que je retourne voir les parents pour leur dire que la gamine, bon, c'est bon, elle est vengée.
Aller par là. D'accord. On peut pas se TP un peu là. Pas RP mais bon. Merde. Attends, c'est la ferme où j'ai buté la vieille? Ah non, la vieille, je l'ai butée là. Y a pas de pont de TP à côté là? On va prendre un bateau. Un bateau. Où est le bateau? Ah d'accord. Laissez-moi tranquille. Allez, go. Moi tranquille. On va peut-être faire le tour par. On peut passer là au pire, non, le petit. Il y a un mec qui est... Il y a un joueur qui est mort là. Il est mort où? Il est mort là. Il vient de tomber. Merci Ubi. Il est mort à cause de quoi? Qui c'est qui la bute? Quelque chose ne va pas. Venger Luis Filippi. On le fera plus tard. Alors. Elle est où la rivière? Juste là. Le mec se fait pouiller par... Salut Mgrou. Le mec se fait pouiller par un croco. Attends, Peter. Tiens, dans ta gueule. Eh non, pas du élite. Mais il vient. Tiens. Prends ça, sac à main. Non, non, pas du Elite. On a fait le Teddy hier. Elite, on va attendre un peu. Je m'envoie des mails et c'est un mensonge. Ah non, c'est parce que j'ai lancé le stream et on a oublié de changer le titre du stream au début. Du coup, ouais, les notifs. Les notifs qui ont été ils sont envoyés instant, donc forcément c'est pas les bonnes. Mais même quand tu le changes, hein, tu le changes en plein live, il met du temps à s'actualiser. On passera jamais sous le truc. On passera pas. Mais ta mère. On passera pas. Eh oui. On l'a dans le cul. Bon, on va finir avec le Chocobo. Chocobo. Le voilà. Viens là. Gros pigeon. Donnez-moi votre bateau. Comment il la dégage? Ah, ton bateau il est mort. Hein. Yeah.
hors de mon chemin! Ah, mais dès que tu découvres un lieu, en fait, ça te fait un point de TP, donc les tours servent à rien. Et là-haut. Qu'est-ce que tu fais? Texture très dégueulasse hein, de la petite fenêtre là. La petite grille. Bonjour. Otefres. Qu'est-ce qui se passe? Mon ami, tu es venu. J'en suis heureux. Mais le chocobo est rapide. Il a l'air plus malin que toi au moins. Ma femme est... Où elle a envie d'être? Enfermée, froide. Elle sait. J'ai froid un peu là, il caille un peu. Elle allait partir. Elle prend la veste. Tu n'es qu'un porc. De toute façon, je m'ennuyais. Merci pour le vin. Kenout est probablement près du lac. J'ai fait de translation arrière. Dis-moi quand tu seras prêt à partir. Salut, M'Gros. Bonne fête. Ah, un peu de drop. Ça drop sa mère. Ça drop un peu du cul. Donc. Qu'est-ce qui te prend, tes fraises? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout gâcher. Je sais, je sais. Je suis bon à rien en ce moment. Tu n'es pas bon à rien. Révolte-toi. Prends ton épée et va combattre. Et alors? Ça fait longtemps que j'ai rangé mon épée. Si j'agis, c'est seulement parce qu'Apollo de Russe a insisté. Mais non. Il croyait qu'un grave complot nous menaçait tous. Dégagez pas ça! Il se passe vraiment quelque chose. Tu as eu raison d'agir. J'ai été idiot. Je ne voulais pas, mais Kenout a insisté. Elle a dit que c'était notre devoir. Si je ne l'avais pas écouté, Shadia serait toujours en vie. Elle est sûrement là-bas. On a construit un hôtel au bord de l'eau. Shadia adore l'eau. On y donne à manger aux poissons. Enfin, elle aimait l'eau. Aïe là. Kenout, je suis content de te voir. Kenout ? Elle est comme ça, maintenant. Quelque chose pourrait vous aider. À Siwa, nous accomplissons un rite à la mort d'un proche. Je peux ? Vas-y. Ce rite nécessite un objet. Faites-moi confiance. J'ai ce qu'il me faut. Tu feras ce qu'on te dit, espèce de petite larve. Si tu veux plus de grains, cultive-en plus. Ce n'est pas mon problème. Capitaine! Kenout, non! On ne peut pas. Je sais que tu n'extorques pas de grains à ce paysan. Parce que tu es conscient que tu enfreindrais plusieurs lois égyptiennes. En tant qu'autorité du Fayoum, tu le sais comme moi, n'est-ce pas? Nous nous reverrons. Sois-en sûr.
Mon cher époux, il nous faut oublier notre deuil. On ne peut pas laisser souffrir les autres. Pas si on peut agir. Tu t'es battu autrefois. Il est temps pour toi de reprendre les armes. Faut que j'aille buter l'autre, là. Tu as été témoin de la corruption. Il n'y a personne. Alors. On va aller le ken. Et là. Merde, ils sont plusieurs. Je peux lui faire un headshot. Que dalle. Voilà l'autre. Ah ouais. Paf. Il est pas mort. Merde. Restons dans les grandes herbes. Il m'a vu ou pas? Ah, je suis à court de munitions. Ah, ils m'ont vu. Mais laisse-moi tranquille. Bim. Voilà. Oula. Non. Laissez-moi tranquille. Go. Non. Attends, ils sont combien là? Non, parce que toi, il te reste plus rien comme vie. Ah, toi non plus. Merde. Oh là là, non mais ils se mettent à 4 sur moi là. On va se la flaire. Plus de discrétion. Un petit peu marouf là. Bon, gnon. Ça drop, hein, ça drop du cul un peu. Hein. Alors, il est là. Pourquoi on n'a pas tué ça? Merde. Non mais les trois ils viennent aussi là. C'est chiant. Je vais adorer tirer sur leur centrale peu à peu. Paf. Il y en a un qui est mort là. Ouais c'est ça. Salut Zucramel, comment ça va? C'est des level combien ça? Ah oui d'accord, 32. Oh, ok. C'est pour ça. Non, tu n'as rien vu. Et merde. Ah c'est raté. Vite. Vite, mais cours. Mais cours. Où il court pas comme ça là? Ah, parce qu'il courait là, d'accord. Non, la hauteur, ça peut aider. Allez go, saute. Monte. Bon, c'est de la merde. On fera pas mieux hein. On a plus de flèches si. Il va monter ou pas? Non, il montera pas. Oh yes, il y a des potes à moi qui m'aident. Paf. Ouais, maintenant t'es tout seul mon gars. D'accord. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Il y a eu de la fumée, il y a eu du bruit, il y a eu du sang. On ne sait pas ce qui s'est passé là. Bon, niveau 32, je le défonce quand même normalement.
Ou alors je le fais à... Je le fais à la manière cheatée d'Assassin's Creed. Raté. Allez, 2-1. Et 2-2. Salut Huge. Comment ça va? Allez, il reste plus que le gros. On cheat, hein. Glitch le jeu. Ah. Pas chien. Quand t'as une monture. Quand t'as une monture, n'importe quel ennemi, c'est easy, hein. Et voilà, c'est gagné. Que je ne connais pas. Des frais censés peut-être plus. Il ne manquera à personne. Mais il a parlé d'un commandant. Les ordres viennent de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas fini. Wow. Tu es en vie. Il voulait la mort de Kenut. La mort les a trouvés avant. Je les envie. Enfin, c'était nécessaire. Ces soldats ne comprennent qu'une chose, la violence. Il y a autre chose. Ce capitaine recevait des ordres. J'ai trouvé cet insigne sur lui. Tu sais ce que c'est? Oui, c'est mauvais signe. Il vient de Fort Bubastos, à l'est. La place forte est commandée par un de ces Malakias qui se croient intouchables. Kenut avait raison. Si l'on ne fait rien, les gens continueront à souffrir. Bayek! Je suis désolé, mais nous avons besoin de toi. Comme par hasard. Ouais. Mais avant, j'ai une chose à faire. Je ne serai pas long. Shadia, mon lotus. Plus personne ne souffrira comme tu as souffert. J'en fais le serment. Adieu, mon petit tétard. Oui, c'est moi. Nage en toute liberté. Et voilà, c'est réussi. Gagné. Niveau suggéré, niveau 30. Allez, ça se tente. C'est la vérité. D'autres soldats viendront bientôt. Il faut s'occuper de ce commandant. Il nous faut plus d'informations. Jusqu'où s'étend la corruption ? Jusqu'aux hommes les plus proches de Ptolémée. On ne peut faire confiance à aucun Phylakès. Seuls nous sommes impuissants, nous avons besoin du Fayoum. La plupart des paysans ne diront rien par peur des soldats. Mais ils sont en colère. Ils seront faciles à convaincre. Je vais aller parler aux paysans que le capitaine a menacés. Je pense qu'il pourra nous aider. Oh. Wow.
Il est bourré ou quoi? Zenny, j'ai vu ce qu'ont fait ces soldats. Les bêtes Kenout a pris un grand risque. Je lui en suis très reconnaissant, mais ça ne changera rien. Pardon, mais j'ai du travail. J'ai beaucoup de feu à allumer. Laisse-moi t'aider. Merde. Ray te donnera des cultures fertiles, Seigneur. Faites diversion pendant que je file. Comment ça se fight? Voilà. Il est temps de te soulever contre les soldats. Otefres combattra à tes côtés. Otefres? Il nous a abandonnés depuis longtemps. Son père était un homme bon. Il a donné à son fils un nom égyptien. Nous l'aimions pour ça. Mais il n'a pas su lui donner un cœur égyptien. Dans notre langue, Otefres veut dire satisfait. Mais il ne l'a jamais été. Il nous a abandonnés aux hyènes et aux crocodiles. Mais les crocodiles peuvent être vaincus. Le capitaine est mort. Soulève-toi, Seni. Montre l'exemple. Tu as vaincu le capitaine? Waouh! Par les dieux, tu es fou. Waouh! D'accord. Si tu es prêt à agir, tu peux compter sur moi. Je ferai passer le message, Seni. Ah d'accord. Que la situation était si grave. Enfin, je savais qu'il y avait des problèmes. Mais pas à ce point. C'est ma faute. Je ne souhaitais pas avoir un rôle dans le Fayoum. Ce fardeau m'a été imposé. Je voulais vivre des aventures sur mon bateau. Je sais que maintenant, renoncer est un choix. Et je suis toujours en vie. Ils sont dans la villa. Par derrière. Vous, avec moi. Ah. Des soldats. Salut Yas, comment ça va? Il me semble que je n'ai plus le choix. Viens frère, allons leur parler. Avec nos épées, je te protégerai. Je suis heureux de revoir ton vrai visage. On est pas obligé de prendre les épées. On peut les maroufler les mecs. Ah voilà, ils sont là. Ça roule. Tiens, ta gueule toi. Venez goûter à ma lame, chien ! Emparez-vous de lui ! Il a une arme ! Ah putain, ils ont un capitaine en plus. Et boum. Eh, hey, pour un vétéran, tu te bats bien. Un vétéran, mais pas un vieux. Oui, c'est ce que je vois. Mais ça ne suffira pas. Les soldats vont revenir et en plus grand nombre. Mes talents ne se limitent pas à l'épée. S'il le faut, j'engagerai toute une armée. J'ai peut-être une meilleure idée. Bayek, tu peux m'accompagner pour un petit voyage? Vas-y.
Je suis prêt. Allons-y. Vous faites une bonne équipe. Chaque gobo n'a rien perdu de son ardeur. Tu sembles fier de lui. Je suis heureuse de retrouver l'homme que j'ai épousé. Où allons-nous? Il y a un camp de rebelles près d'ici, en direction de l'est, du côté de Fort Bubastos. Ces rebelles, je vais te les présenter. Tu plaisantes. Si je les rencontre, ça provoquera la colère d'Alexandrie. Alexandrie baigne dans les intrigues, Medjay. Des services sont parfois échangés contre des informations ou une protection. De telles alliances sont nécessaires, même si personne ne parle. C'est où? Salut Natraxi. Par ici, leur campement n'est plus très loin. Prudence avec ces rebelles. Ils ne sont pas réputés pour leur hospitalité. Je les ai fait prévenir. Ils attendent notre arrivée. Il y a des ennemis dans cet assassin? Un petit peu. Vraiment, vraiment un petit peu. Et ils sont que 4? C'est ça une armée de rebelles? J'ai fait annoncer notre venue de Philadelphie. On a besoin de ton aide. Tu as perdu ton temps. Désolé, on ne peut pas vous aider. Nous ne demandons pas la charité. Nous pouvons offrir des vivres et des informations. Tout ce que nous vous demandons en retour, c'est votre protection. Je te dis qu'on ne peut pas. Les soldats ont capturé notre chef au barrage. Alors peut-être pouvons-nous aider. Voici Bayek de Siwa. Tu es Bayek de Siwa? On sait ce que tu as accompli dans l'arène. Tu t'es battu face aux frères gaulois comme un démon. Quelques petites missions secondaires. Alors ça doit être vrai. Ah si, j'ai buté la vieille qui était la chef de l'ordre machin, la crocodile. Bon, faut aller sauver le chef des autres, évidemment. On est bon qu'à ça. La vieille, ouais, c'est une quête principale. Ça, non, c'est pas une quête principale, ça. Parce que la prochaine quête principale, on n'a pas le level encore. Faut farmer un petit peu. Ok, niveau 32. Ah oui, il est juste là le chef. Y'a pas d'autres gardes. N'a rien vu. Non, il m'a vu ou pas? Oh merde! Oh non! Touché. Pousse-toi. Il m'a vu ou pas? Il m'a pas vu ce con là. Oh, comment il se l'est mangé? Viens là, enfoiré. Bah ouais, mais si tu te pousses pas. Il m'a vu ou pas? Tiens, prends-toi ça dans ta gueule. Je vais t'envoyer mon aigle. Vas-y, amène-toi. Je défonce, moi.
Voilà. Bah, il est nul. Il attaque même pas. On a glitché le jeu. Allez, vite. Le mec, il attaquait pas. Qui es-tu pour attaquer ainsi les soldats? Tu n'as pas peur de réveiller la Grèce? Je suis Bayek de Siwa. C'est le sommeil de l'Égypte qui m'inquiète. Merde. Bonjour. Les hommes m'ont parlé de toi. Tu combats seul dans l'arène comme un forcené. Mais avec toi à nos côtés, les chiens de Ptolémée n'ont aucune chance. Et quand l'heure viendra, j'aurai besoin de vous à mes côtés. Bon, continuons. Putain, il y en a encore un. Maintenant, on a compris hein, comment les shooter, ces mecs-là. Voilà. Paf. Ah, il est costaud quand même celui-là. Ouf. Ah d'accord. Wouah. What the fuck. Incroyable. Ça fait brain. Impressionnant. Le mec est arrivé derrière, petit marouf là, hein, petit BTR. Attends, tu n'as rien vu. Oh putain, faut que je recommence tout. Viens l'enculé. Merde. Le coup de bouclier m'a fait mal par contre. Respire, respire, respire. Ça c'est bon. Attends. Ah oui, l'autre par contre, voilà, c'est parce que c'est un capitaine. Peut-être une technique. Voilà. Hein? Merde, il va pas venir évidemment. Ah, je peux l'endormir sinon. Salut Osher. Dors. Dors. Oh putain, genre il dort pas. Better. Vas-y. Viens. T'attends. Tombe, 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 tombe. Ah putain le bâtard. Ah voilà, c'est fini. Oh là voilà. Ah c'est terminé là. Ah c'était clair. Si on le fait pas tomber dès le début. Le problème c'est que ses potes arrivent après. Parce que tout seul, autant le combat peut durer 3 plombes, mais on peut l'avoir. C'est dur à faire tomber quand même. Leur gros bouclier, s'il y a moyen avec une attaque lourde chargée. Il faut pouvoir la placer quoi.
Par contre, on peut peut-être tenter de l'assassinat. Merde. Ouais, l'arc, ça leur fait rien en dégâts. C'est dans celui-là. Quand ils ne sont pas fous, ah. Ils sont sous. D'où ils passent pas. Voilà toi. Halt. Hein? Alors je le chope par derrière. Pas sûr que l'assassinat passe, hein. Oh, il passe. C'est le perso qui siffle. Ok, l'assassinat passe. Non, c'est bon, il s'amène pas. Quoique si, autant le prendre. Il va nous servir d'appât. Hop. Il va pas venir le chercher. Personne va venir le chercher. D'ailleurs, on a oublié un truc qu'on aurait pu faire. Aïe. Il monte là-haut. Lui, je lui ferai jamais de dégâts. Ouais, je fais que dalle. Non. Ouais. Comme ça, il empoisonne ses potes. Vas-y, viens. Là, si on, je sais pas si on va le voir, il monte ou pas. Enfin, il monte direct. Il y a moyen par contre de le choper. Il vient là. Bien. Peut-être moyen de le glitcher. Go. Merde. Raté. Allez, vas-y, viens. Y a pas de temps à perdre. Il fait que sauter, je sais pas ce qu'il fait. J'essaie de monter, là j'essaie de placer un bon gros coup de latte. Putain, il tombe pas. Ça, c'est pas normal. Oh la vache, non mais les dégâts, les DPS qu'il met. Non, il est pas tombé là, il aurait dû. Exprès, je l'ai tapé quand il était encore dans les escaliers et puis... Ça ne marche pas. Ah ouais, bah, deux coups. Pourtant, il a quoi? Il a peut-être 3 ou 4 niveaux de plus que moi, c'est tout. Et il est pas en tête de mort, donc il est faisable. On peut le faire tomber. Donc lui, il a... Ok, les deux sont juste là. On va voir là-bas si j'y suis, toi. Oh merde. Ah, je l'ai pas vu. Comment ça se fait que t'es là, toi?
Salut Senzanome, comment ça va? Hop là. Manchette. Bon, c'est pas trop dégueulasse, il reste plus que le capitaine. Ah non, il y en a un là. D'accord. Sors de là. Mais c'est bon, il est tout seul lui là-bas. Il reste que... Ah, j'aurais dû empoisonner les corps, ça aurait toujours fait quelques dégâts en plus. Ça roule ? Remarquez, le temps qu'ils s'occupent de leur pote, on a largement le temps d'aller choper. Ah oui, mais non, il va passer à tout prix par là, lui, il est con. Ah, je préfère les buter avant. Attends, merde. Pourquoi tu te tournes? Tu n'as rien vu. Je ne suis pas l'assassin que tu recherches. Bonjour. 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 Oh, enflammé en plus. Ah. Il est allé attaquer l'autre. BTR. Vas-y, viens. Putain, il va se faire buter par... Les merdes. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? On a déjà buté 3 de tes potes, là. Voilà. Voilà, toi. Tu vas crever. Allez, on y croit. Si je lui laisse pas le temps, il y a peut-être moyen. Vas-y, viens. Better. Allez. C'est bon. J'ai gagné. Allez, vite. Ouais, c'est maintenant que t'arrives. Connard. Pour attaquer ainsi les soldats, tu n'as pas peur de réveiller la Grèce? Je suis Bayek de Siwa, et c'est le sommeil de l'Égypte qui m'inquiète. Le fou de Siwa! Mes hommes m'ont parlé de toi! Tu combats seul dans l'arène comme un forcené! Nek! Avec toi à nos côtés, les chiens de Ptolémée n'ont aucune chance! Et quand l'heure viendra, j'aurai besoin de vous à mes côtés. La voie est libre pour le retour, mais j'ai un service à te demander. Enout attend à votre campement. Elle va vous demander de protéger la population. Ah mais j'avais pas fini ma clope là. Ce sera fait, tu as ma parole. Et dis-lui que je vais à Fort Bubastos. J'ai des choses à régler avec le commandant. Seul contre la garnison d'un fort? T'es fou. Peut-être. Je suis Bayek de Siwa. On va parler comme les jeunes là. On la défonce. Allez. Bolos. Par contre, deux comme ça, deux capitaines en même temps, je suis pas sûr qu'en combat. Peut-être au level après quand t'as le stuff qui suit, mais là.
En même temps, c'est pas forcément le fait que le commande, ça soit un commandant hein, qui soit plus fort. Surtout qu'il était, il était niveau 32, quoi. C'est là le problème. Hein. C'est la base du RPG, quoi. Impressionnant. Allez. Ouais, y a un fil à qui taille dans le coin, quoi. Non. D'accord. Des voix. On est en train d'attaquer le fort. Apparemment, tout le Fayoum s'est ligué contre le commandant. On va les buter. Viens là. Oh, niveau... Tous des niveaux 31. Ça fait un live hier soir. Vite fait sur Elite, mais c'était un live test. Ça a duré quoi une demi-heure. C'est juste en tout pour acheter le nouveau vaisseau. Ah ouais, là en ce moment j'ai des heures à rattraper en sommeil parce que galère. Viens là petit BTR. Oh d'accord. Oh d'accord. C'est un gros capitaine. Ce soir non. Je sais pas à quelle heure je vais rentrer donc je sais pas à quelle heure je vais rentrer ce soir. Tiens. Non mais attends, mais il est balèze lui. Hop là. Ok. Mais je l'enlève que dalle. Attends. Tiens. Oh merde, ils sont plusieurs. Oh merde. Oh merde. Oh. Oh non. Ouf, il a mangé lui. Ouf, putain. Putain. Non, mais attends, ils sont tous niveau 30 là. Là, je suis baisé, ouais. Peut-être pas. Peut-être. Peut-être la jouer. Ils sont en train de flamber. Fatigue. Non, on peut pas désarmer. Bah attends, ils sont tous niveau 30-31 là-dedans. Qu'est-ce que je fasse? J'ai chopé un par un, quoi. Ah, c'est ça, ils sont tous au level, quoi. Ah non, pas lui. Ah là, loyal. Là, il n'y a pas de loyal. Ils sont. Alors là, lui, tu vois, lui déjà, là, increvable. Lui, c'est mort. On ne pourra jamais l'avoir. Assassiner le commandant du fort. Ah, c'est celui-là. Non, c'est lui. Ah, c'est un RPG, hein. À niveau 32, voilà. Sauf que là. Impossible. Même en marouflant, il y a les balistes à la rigueur là sur les toits. On pourrait jouer avec. Et on va se faire péter. Allez, on tente une fois, on joue avec les balistes, mais on va se faire péter. Ouais, je suis niveau 28 seulement. Ok, bonjour. Attends. C'est un niveau 30 lui. Hein. On l'aura pas en headshot. Peut-être en deux flèches. Merde. Non. Bon. Il n'a pas eu le temps d'alerter ses potes. Merde. Là il bouge.
Vite, 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 vite. Vite. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Des corps, des voix. Allez. On est en train d'attaquer le fort. Apparemment, tout le Fayoum s'est ligué contre le commandant. Ah, c'est bon. Il y a des potes. Tourne. Ah putain, on peut pas les faire tourner plus que ça. Ah. C'est de la merde. Ce jeu est de la merde. Ils vont rien pouvoir faire, les mecs. Tu veux qu'ils fassent ? On va aller leur filer un coup de main. Hein. Histoire de... Attends, il y a une arbalète là-haut, là. Il y en a une, mais elles sont toutes évidemment dehors. Viens là, toi. Merde. Pas le temps de l'assassiner. Ah oui, ils peuvent monter, oui. Alors lui, là... Lui, c'est un petit bâtard, lui. Merde. Ah putain, je suis encore de munitions. Trop tard. Ok, là on est foutu. Là c'est même plus la peine. On peut peut-être... Tu n'as rien vu ? Non, tu n'as rien vu. Ah, c'est vrai que maintenant mon arc empoisonne. Allez, viens. Viens. Viens là. Viens. Oh putain, le bâtard. C'est vrai que... Allez, meurs, 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 meurs. Oh putain. Tu n'as rien vu. Et merde. Ah puis en plus il y en a un qui est invincible. Comme ça. Ça sort quoi lui? Voilà, ça c'est les renforts. On ne pourra jamais réussir cette mission. Lui on pourra jamais le buter. Là c'est pas possible, là c'est impossible. Il y a trop de gardes au level pour nous. Et qu'on doit buter c'est celui-là. Je peux même pas monter, il y a un invincible là. Non, tu n'as rien vu. Monte. Et lui, faut qu'on ait là. On a plus de flèches. Rien ne dit que tout danger soit écarté. C'est la merde. Je vais essayer de l'enflammer au pire. Raté. Merde. Putain, il prend rien comme dégâts. Il y avait des trucs de flèche là, nickel. Nice. Tu veux monter ? Oh mais quel abruti !
D'où t'es un archer, d'où tu peux faire des trucs comme ça. Putain, le bâtard. Oh putain, ils sont combien là? Et ils sont encore une tonne. Mais non, mais sors, sors. Arrête. Voilà. Emmerdé, toi. Viens là. Putain. Ok. Ok. Attirons-nous. Tirons-nous. Il y a l'invincible. On va voir là. Ouais, je suis pas caché. Je suis pas caché. Je pense qu'on va aller faire une sieste. Ça va être mieux. C'est un choix plus judicieux. Incroyable. C'est notre faute, hein. On tente le trop haut level. Hein. Ah oui, Georges réapparaît pile devant, quoi. Bonjour. On va aller farmer ailleurs. Hein. Trop level hein, cette mission. Hein. Conseiller niveau 30 en plus. Hein. Voilà, on est niveau 28. Et voilà. Et c'est la seule. Ah non, là, niveau 17, niveau 19. On peut faire celle-là. Au moins qu'on arrive niveau 30, quoi. Incroyable. Ah, puis ça m'énerve aussi, voilà. Aux oreilles, ouais, ça me sert la gueule. Fais ça normalement. Vous aurez pas l'écho. Ah, si, vous allez l'avoir. Ah, donc si je fais ça, vous avez quand même l'écho en fait. C'est tout pourri. Pourquoi j'entends pas moi par contre? Non, y a pas d'écho. Attends. Je devrais entendre moi le jeu. Ah. Compliqué. Ah si, ça y est, je l'entends. Ok, y'a un. Faut attendre un petit peu. Paf. Par contre, hein, ça fait interférence comme il faut. Hein. Là-bas. Et tu vois, il y a l'interférence. Ah, on va jouer sans son. M'en fous. Du coup, je vais copier la surveillance. Qu'est-ce qu'il fait? Allez! Ah, normalement, quand je fais ça, t'es censé glisser. J'y vais.
C'est clair. Au coco. Quasiment toutes les pyramides. Les voleurs se sont enfuis vers ces ruines. Follow c'est s'abonner, non? Non. Follow c'est suivre. Abonner c'est sub. Souscrire. Pas pareil. Oui, c'est ça. Follow ça te permet de... de voir si ton streamer live, d'être si tu veux averti quand il commence un live. Et s'abonner, sub, c'est en gros, c'est un abonnement. C'est-à-dire que tu payes, sauf si t'es Twitch Prime, mais ça c'est différent. Bah, y a pas de soucis, Natraxis, t'es pas obligé. J'ai pas mis hein, de restrictions sur la chaîne. Hein, c'est pas parce que vous êtes sub que vous avez accès au replay ou au chat ou les follow. Comment on follow? Bah en haut, t'as suivre. Mais y a aucune restriction. Hein. Vous avez follow, sub et viewer classique, vous avez tous les mêmes droits. La différence en tant que sub, c'est que t'as les émoticônes de la chaîne, quoi. C'est tout, mais... J'ai vu, ouais, tout ce que tu pouvais restreindre au follow et au sub, c'est dégueulasse quand même. Il y a des trucs... Je pourrais faire payer les replays. Alors, elles sont où les traces de poney, là? Ça doit être intéressant. C'est quand, voilà, t'as une communauté de plusieurs milliers de personnes. Faut pas t'emmerder, quoi. Alors, c'est où? Ah oui, du coup, j'ai pas le son. Ça va être compliqué pour trouver. C'est bon. C'est ça, c'est le cœur. Sauf si tu connais quelqu'un qui a un compte Amazon Prime. Dans ce cas-là, tu peux le lier à ton compte Twitch. Ton compte Twitch se transforme en compte Twitch Prime. Et du coup, tu as un sub gratuit par mois à donner à la chaîne que tu veux. Je fais un enfant ici. Merci pour le follow, Natraxi, ça fait plaisir. Deviens un tétard, tu peux le rajouter à ton CV. Je suis un Medjay. Des voleurs qui sont passés. Et du coup, ça veut dire que comme tu es un tétard, ton prochain bulletin de notes sera 10 sur 10. Personne. Tu es seul ici. Non, oui, je suis tout seul. Ce garçon cache quelque chose. D'accord. Donc, cherchons d'autres preuves. C'est ça, t'es un apprenti. C'est derrière le mur en fait. Oh merci Insetzano, merci ma poule, ça fait plaisir pour le follow. Tu es un tétard aussi, tu peux le rajouter à ton CV. Et du coup ça te fait moins 50% sur les jeux Steam. Ou pas. Ça dépend du jeu. Si le jeu est bon, oui. Sinon, c'est mort. On peut passer là? Mais si. Oh, c'est bien fait. C'est quoi Wizbot? C'est un bot. Tu peux lui dire bonjour si tu veux. Tu peux lui dire coucou Wizbot. Il te répondra. Paf.
Pip 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 pip. Ah, c'est chiant. C'est pas une pelleteuse. Non, faut, c'est à Wizbot, faut que tu dises bonjour. Naibot, il dit pas bonjour, c'est un connard. Ah, l'autre, il était enfermé, dis donc. Pourquoi t'étais bloqué dedans ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je cherche des objets volés. Je cherche des objets volés. Ah. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. D'accord, d'accord. Il n'a rien fait de mal. Et je peux t'aider, tu sais. Avec un Z. On a dû le faire pour Anta. Je suis sûr qu'Anta est une bonne amie, mais vous ne devriez pas. Écrive bien Wizbot, sinon il est vexé et il te répondra pas. Un Z à la place du S. Ah bon, on va explorer une pyramide. Ah voilà, il te répond. C'est un viewer qui m'a appris ça. Ah ouais, en plein de chat, il s'amusait à parler avec le bot et tout. Je faisais putain, je savais même pas qu'il pouvait faire ça. Allez, on va explorer une petite pyramide à pas piquer d'un ton. Il y a d'autres sujets de discussion? Non, je crois pas. Faudrait regarder sur internet, mais il me semble pas. T'as une et où? Ah, mais vous croyez tous que c'est MXM qui a inventé l'expression à pas piquer des hannetons? C'est très très vieux hein, comme expression. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui on l'entend plus. Voilà, ça c'est la nouvelle génération. Ah bah c'est sûr qu'aujourd'hui on a fait sa marque de fabrique, hein. Il la balance au moins 4 fois par minute donc. Bon, on a plus trop le temps de la dire maintenant entre deux pubs Fanta. On l'a déjà exploré celle-là. Il y a des trucs là-bas. Les richesses des anciens. Pardonne-moi. J'ai besoin de ça. D'accord. Ah, on a déjà exploré ici. On a déjà fait celle-là. Alors, où est le... Ça descend encore. Oh, les gamins ils sont fous. Hey, c'est Manuel Gourde. Combien êtes-vous ici? Rien que mon frère, ma sœur et moi. Ne leur fais pas de mal. Le responsable, c'est moi. Je veux les notes volées au géographe grec que vous avez assommé. Et je veux mon argent. On a tout donné aux brigands qui sont dans les collines, à l'ouest des tombeaux des Mionou. Ils nous ont pris Anta, et ne nous la rendront que si on vole pour eux. Qui est Anta? Notre protectrice. On était sur la route de Memphis quand ils l'ont emmenée. Si on ne fait pas ce qu'ils demandent, ils vont la tuer. Des brigands qui exploitent des enfants. N'est qu'à dire tête. Rassemble ton frère et ta sœur et cachez-vous. Je vais vous ramener Anta. Tu as ma parole. Ça y est, on a assistante sociale. Allons rejoindre le repère des bandits. On va remonter par là. L'entrée.
Attends, il y a plein de trucs. On l'a fait ici, non? Oui, ça on l'a fait. Mec, tu rigoles jamais, c'est nul. Ah si, si, je rigole. Là, un peu fatigué aujourd'hui. Un peu fatigué. Hein. Donc ça tire. Ça, j'ai mis les lunettes à la con de PGM. Là, même avec ça, j'ai l'impression d'avoir fait 4 heures de piscine. Pause café, Yas. Tu veux faire une pause café? Ouais, c'est vrai que faut que j'aille. Ah, faut que j'aille faire cooling cafetière, moi, du coup. Là, je l'ai mis en détartrage. Et faut que j'en fasse couler une. Faire une petite pause café le temps que j'aille faire la cafetière. Allez, Yas, va faire ton café. Pause!
Alors. On s'est fait pouiller par une hyène pendant la pause. C'est mauvais signe. Impressionnant, hein. Pourquoi ça parle là ? Pourquoi ? Impressionnant tout ce qui se passe. T'es fait pouiller par une hyène quoi. Alors. Impressionnant tout ce qui se passe. Quoi, elles sont là-dessus ? Ah si, là, voilà pourquoi. Ah, c'est mieux. Donc, la mission. Wesh, l'écho, non, c'est bon. Je viens de voir pourquoi il y avait de l'écho. Donc, on avait une mission, c'est bon, c'est réussi. Il faut aller rejoindre le repère des bandits. Des banditos. J'appelle mon chocobo. Et c'est parti. Petite brebis, des petits bouquetins. Je peux pas reprendre le live avant de déconcir. Si, paf. Qui attaque? Je le reprends quand tu veux le truc. C'est la magie du streaming. Comme là, tu veux de la neige, paf, il y a de la neige. Paf. Le vrai, c'est New. J'en ai entendu parler, je l'ai vu tourner. Ouais. Encore un RPG, il est sympa, mais on a déjà assez avec celui-là. Donc. Et en plus celui-là c'est spécial, hein. Voilà, j'ai voulu tenter en stream machin, mais sinon c'est un jeu que j'aurais jamais streamé. Un Assassin's Creed, je trouve ça trop personnel. C'est une aventure qui se vit, donc Nioh c'est un RPG typé un peu japonais. C'est vrai qu'il est beau et il demande pas en plus une grosse config et pourtant le jeu claque visuellement. Mais attends, c'est où? C'est là. Toum, 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 toum. Alors cette nuit on s'est bien marré, en tout cas on a fait du Road Truck Simulator, c'était très drôle. Ok, le camp de bandit est là. Bon, niveau 19, voilà, bon. Alors niveau 19, on le headshot, hein, direct. Le campement où est retenu. Du Zelda, oui. Oui, je l'ai commencé, j'ai pas fini, j'ai niqué ma sauvegarde comme un con. Du coup, peut-être qu'on pourrait le stream, mais recommencer à zéro du coup. Et c'est pareil, c'est des heures et des heures de live. C'est quoi le nom de la musique de ta pause? Je fais du Elite. Ah yes. Je sais plus, la première fois que t'es venu sur le live, on faisait du Elite je crois. Ou pas, je sais pas. On a fait beaucoup de hits à un moment. On a fait d'ailleurs première chaîne francophone, évidemment, personne ne stream du Elite. Il doit y avoir 4 à 10 chaînes à tout casser en France qui stream du Elite, donc. Pourquoi je peux plus bouger avec la manette? Ah. Y en a pas un qui est tout seul isolé, celui-là, là-bas. Ah ouais, on en a juste streamé une demi-heure hier, histoire d'aller chercher le nouveau vaisseau qui vient de sortir. Et basta, quoi. Faudrait qu'on s'y remette. J'attends que le lore avance un peu pour... La musique de ma pause, la musique de ma pause. Attends, je vais te le sortir. Alors lui là-bas il est isolé.
Bien. Paf. Oh mon dieu, il est mort. Musique de ma pause, la musique. Attends. 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 Où est-ce que je l'ai foutu, cette conne? Bah, c'est une nouvelle qu'on a mis, parce qu'avant c'était pas celle-là, mais. Et Dr Vox on tire. C'est la musique de la pause. On a changé les musiques de pause parce que eh ben on s'est fait strike par YouTube. Ok, il est allé voir son pote là-bas. Donc lui on peut se le faire. Paf. Toi tu vas mourir aussi toi. Voilà. Et merci, je note. On s'est fait strike par YouTube. Et on s'est pas fait strike par Twitch, puisque la musique venait de Twitch. Par contre, on s'est fait strike par, par YouTube. Du coup, cette musique-là, on ne se fera pas strike par YouTube. Par contre, est-ce qu'on se fera strike par Twitch cette fois? À voir. Normalement, non. Ah non, tu peux pas, Natraxi, c'est une fois par stream, tu peux lui dire bonjour. Ça évite que les gens spamment. Aïe. Aïe. Eh oui, c'est une fois par stream, sinon après c'est le bordel. Pareil, vous avez le song request sur le chat, mais bon là il marchera pas. Que j'ai viré le player, mais vous pouvez demander les musiques que vous voulez. Ça c'est pareil, je le dis pas tout le temps parce que après sinon ça part en couille. Ok, ok. Bonjour. Évidemment. Et attends, peut-être tenter. Allez voir là-bas si j'y suis. Oui, tu tapes point d'exclamation SR, espace le lien YouTube que tu veux ou le titre de la musique. Et elle est lancée sur le stream automatiquement. Il n'a rien vu. Bien. Non, mais bah, ils se ramènent tous en même temps. Non? Oh, il a rien vu. Il a rien vu. Ah, il a vu. Oh, il a rien vu. Ah, il a vu. Non. Non. Oh, mais on les défonce niveau 19. D'accord. Non. Viens. Tu fais. Ouh. Mais qu'est-ce qui. Mais esquive, esquive, esquive. Il esquive que quand il veut le jeu. D'accord. Alors toi, je vais te foutre un ulti dans ta gueule. Non, c'est point d'exclamation. SR, espace. Soit le lien YouTube, soit le titre de la chanson. Bon, il n'y a plus personne là. Voilà, c'est ça. Mais normalement, je suis pas sûr que vous allez l'entendre.
Ah, c'est normal, le player il est pas actif. Et du coup tu peux mettre les musiques et les gens peuvent mettre des musiques, ça crée une playlist automatiquement. Et comme ça les gens mettent la musique qu'ils veulent. Non. Non, parce qu'en plus déjà je vais pas savoir la musique que tu veux parce que je vais pas l'entendre. Là j'ai pas le retour du stream, j'ai que le retour du jeu. On mettra au prochain live. Enfin, au prochain live sur PC du coup. C'est quand même mieux quand j'entends aussi les musiques, ça fout de l'ambiance. Et là je vais pas les entendre donc... Ouais, je te bute toi. Bouge pas. Voilà. T'as un autre. Ouais, dans Skyrim. Anta. Ah. Un chien. Personne. Et dubstep tu connais? J'écoute pas de dubstep. Donc non, je ne connais pas. Le poids des objets placés sur les plateformes est relié au contrepoids influent sur ceux-ci. Ah d'accord. Ah ouais. Donc c'est-à-dire que si je vire le contrepoids qui est là, la plateforme monte. Ah ouais. Impressionnant. Génial. Ou si je peux pas sauter avec. Ah d'accord. Ah si. Attends mon chien. J'ai un coup de main. Voilà. Il est méchant le chien? Non il est gentil. La gravité disparaît. Eh bien. Allez ma fille. Viens. Tu peux pas venir? Bon, elle va nous suivre. Alors, Anta, toi aussi tu es une protectrice. Tu viens? Pourquoi elle vient pas? Elle veut monter? Tu es tout excité, hein. Oui. Oh. Tu viens le machin là? Tu vas bientôt les revoir. Ne sais pas. Je pense qu'il faut qu'elle monte sur la plateforme au pire. Car elle t'aime pas, c'est possible. Ah non, faut que je la suive. C'est ça, faut qu'elle vienne sur la plateforme. Ah bah évidemment, il glitch la plateforme. Oh. Eh. Tiens. Allez, bouge. Elle va glitcher encore la plateforme. Hello? Voilà, allez viens. Café. Des fois ça les fait débugger. Te conne. Bah oui. Allô? Tu fais quoi là? Ça y est, elle me suit. Ah non, vas-y, go. Allez, go. Oh putain, encore des mecs. Je vais te tuer. Putain, c'est un... D'où? Non.
Ah ouais, non mais des coups, des bugs. Impressionnant. En même temps, ça reste un jeu Ubi, hein. On est habitué maintenant, hein, depuis des années, avec les jeux Ubi, hein. Pour ça, les bugs de texture, moi je les vois plus hein, dans l'Assassin's Creed. Hein. C'est bon, on est formé. Hein. Ah, j'ai les yeux, mais explosés. Bonjour. Est-ce que le chien peut monter sur mon chococo? Il est où? Genre, tu sors d'où? Même une entreprise FR. Non, pas totalement, non. Le studio qui s'occupe de la... Ok. L'équipe de dev d'Ubi qui a créé les Assassin's Creed et qui les développe depuis le début. Oui, c'est une branche française. Et il n'y a pas... T'as pas tard de dire ça. Eh oui! Bon, maintenant ils sont à Montréal, mais. Dans toute une histoire de pognon, c'est par rapport aux taxes. Et il est où le chien? Allez, on y va. Go! Attends, il y a des cavaliers là, on va les péter. Bonjour! Merde, petit bâtard. Moi tranquille. Mais il m'enflamme, c'est... Ça brûle. Hein. Ils sont morts. Comme Rainbow, c'est un excellent jeu, Rainbow. Oui. Rainbow Six Siege. Bon, le chien, là. Allez, go. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit de rester caché. Je sais, mais c'est arrivé par notre faute. Et on s'est dit que tu pourrais avoir besoin d'aide. Le cavalier est beaucoup, beaucoup plus grand que toi. Le cavalier? Quoi? Tu l'as pas vu? C'est le plus méchant de tous. Grand et fort. C'est lui qui a emmené Anta. Il a les notes de Cortezeos. Il doit s'en servir pour trouver des trésors. Je l'ai aperçu dans les ruines. Salut, Castor Fragile. Comment ça va? Occupé de ce cavalier. Vous feriez mieux de partir. Tout de suite. Préparez-vous les marmots. Je pourrai enfin retrouver ces notes. Où j'avais pété la gueule au cavalier. Ils reviennent dans sa grotte cette nuit. Allez, go. Go. Là, je devais jouer à PUBG aussi aujourd'hui. J'ai pas le courage. Venez le grand pataugeur. Non. Non, je ne connais pas le grand pataugeur. Connais la secte des hommes poireaux? Et les hommes patates? Avec leur cérémonie du grand pot-au-feu. Ah, il y a une fille avec un... C'est un viewer. Il y en a plein des viewers. Une de tous les plus grands. Ah, t'es fait... Tu t'es fait kick. T'as mis des points entre les mots. Wizbot, il a détecté que c'était un lien. Attends, il y a une hyène. Niveau 17. Easy. Il y a encore un truc mirage là. Salut Oussama Sass, oui. Non, Oussama Sass, La fatigue ça. Oussama Sass, oui. Désolé hein. Voilà, mais lâchez-moi un peu. Je peux pas explorer dans ce jeu là ou quoi? Je veux contempler le décor. Venez le gang des pigeons. Ah.
Rien ne vaut le clan des hommes poireaux et le grand pot au feu. Bon, c'est là-bas. Allez, go! Grande pyramide. C'est dans la grande pyramide? Non, c'est à côté. Ouais, des petites étoiles filantes. Le process des tartes. Eh ben, plus d'étoiles filantes, hein. Ah, y'a plus. On n'a pas encore eu la pluie de scarabée. De quelle race d'animal ça s'il te plaît depuis tout à l'heure, je me demande. C'est un chocobo. C'est un chocobo de Final Fantasy. Mais celui-là, il a 4 pattes, c'est un mutant. Quoi, il y en a dans Final Fantasy. Oh, qui c'est qui m'attaque? J'ai rien fait. Hein. Ah oui, toi là. Bâtard. Bâtard. Voilà, bim. Oh merci, Oussama Saoui. T'as vu comment je l'ai prononcé là, au taquet? Tu es devenu un tétard et du coup tu peux le rajouter à ton CV et eh bien ça te fera un jeu d'offert sur Steam. Un bon jeu. Hein, genre Cooking Simulator, tu vois. Un jeu recherché. Non mais des plus de scarabées. Mais il y en a dans le jeu en fait, dès que tu es en plein désert, tu t'arrêtes. Normalement, il y a un mirage, ce qui est logique. Et il y a plusieurs types de mirages et il y aurait la pluie de scarabées, il y a une chute de météorites, il y a les étoiles filantes. Donc là on a eu les étoiles filantes, la météorite je l'ai déjà eu, et j'ai pas eu la pluie de scarabée. Merci, tu es très gentil. Et de rien, c'est Noël, ça fait plaisir. Non mais je suis tout le temps gentil sinon, pas que pour Noël. Bon le mec il est où? Pour le tanniser hein. C'est un bénec. Allez, moult recherche. Go. Essaye. Ah ouais, mais non, mais faut rester des heures immobile en plein désert. Je veux tous les voir. Il est où le mec? Ah. Ah, quand tu es dans le désert. Je sais pas trop, mais de ce que j'ai lu, oui. Il est là-bas, il se barre. Il se barre le touriste. Je suis marocaine. Ça fait plaisir. Des fois, je m'amuse à regarder les stats de Twitch des viewers, d'où ils viennent. T'as Maroc, Québec. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui ça m'a paru bizarre. Surtout parce qu'ils parlent pas le français dans le pays. Un pays bizarre où la France, le français est pas utilisé. Oui, ça marrant. Mais je sais plus, c'est. Donc, c'est lui, hein, le. Trouver assassiné le bandit à cheval. Ok, bon, on le défonce. Attends, est-ce qu'on peut l'avoir avec un headshot? Ah putain, non mais laissez-moi tranquille. T'as rien fait. Tiens. Tu vas taire. Bim! Mais laissez-moi. J'ai rien fait. Bon, on m'a dit achète le jeu, c'est l'Egypte, c'est les pyramides. Ah ça y est, c'est la débandade. Allô? La petite bête. Voilà. Non. Il est où l'autre? Viens. Voilà.
Pardon pour le cheval. Ah non, il est pas mort. Tout à l'heure, tu étais pas immobile, pourtant quand il y a eu les étoiles filantes. Pas faux. Oh, ça drop. Ah, désolé Twitch, ça drop du cul. C'est trop bizarre. Pardon, je te laisse pas jouer. Ah, Twitch, ça drop du cul. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ça drop du cul. Incroyable. Ça drop phénoménalement. Ah, ça remonte. Ah, c'est bon. Attends, Twitch, attends un peu, ça revient. Ça revient. Ça drop un petit peu du cul. Hein, désolé. Allez, repasse dans le vert, toi. C'est le 24 décembre. Les équipes de Twitch et les équipes des FAI sont calées sur les horaires de la SNCF. On dit c'est bon, l'administration c'est terminé, on rentre à la maison. Bon, c'est revenu, hein. Désolé. Je laisse pas jouer. Ah, mais si. Si je voulais jouer sans parler avec personne, je ferais pas de stream. C'est ça le plaisir du stream. C'est toujours d'avoir un œil sur le chat. Et normalement, j'essaie de répondre à chaque personne. Bon, ça va, on n'est pas encore nombreux. Donc j'ai le temps de répondre à toutes les personnes. Oui, hein, désolé Twitch. Hein. Bon, alors c'est là-bas. Du coup, j'ai pris mon chameau. Enfin, j'ai piqué un chameau. Il n'est pas à moi. On y croit. Allez. Un chameau. Il faudrait que j'y retourne au Maroc. Je sais plus où j'étais parti. J'étais parti. Yasmina Mamet. Yasmina. Non, Yasmina, c'est Tunisie. Je sais plus. Je ne sais plus. Non, je crois que c'est Yasmina, c'est Maroc. Ah, je te headshot, toi. Ou pas. Peut-être pas. Je sens peut-être d'avoir... De pas avoir beaucoup de viewers. Non. Tu stream pas pour les viewers, à la base, hein. Non. Better. Faut pas streamer pour les viewers. Hein. Les notes de Cortezeos. Ah, c'est gagné. Sera heureux de les revoir. J'appelle mon Chocobo. Viens là, Chococo. Paf. Moi, tu as des viewers fidèles, tu peux faire un live après-midi. Bah il est il y a pas de décalage au Maroc, décalage horaire, il va être 4h de l'après-midi. Après minuit? Non. J'ai pas trop compris Oussama Saoui ce que tu m'as dit là. Enfin un live après-midi. Eh oui, hein, comme dit Nightbot, n'oubliez pas les subs et les bits sont à moins 20% en ce moment. Pour les fêtes de fin d'année, ça fait plaisir. Et si tu as un compte Amazon Prime, ou que ta grand-mère en a un, ou que ton oncle en a un, ou que ton frère en a un, ou que ta sœur en a un, ou même que ton chien en a un, et si tu le lis à ton compte Twitch, c'est gratuit, hein, tu peux le lier gratuitement, eh bien ton compte passe en Twitch Prime et du coup tu as un sub d'offert par mois à qui tu veux. Et en plus tu as des jeux d'offert. Des jeux. Demain tu feras un live. Oui, sûrement, oui. Oui, demain on fera un live. Mais je vais essayer de me caler sur ces horaires-là maintenant. Pour le... Au lieu de streamer la nuit. Je vais essayer de me caler sur... sur 13-14 heures jusqu'à 16-17-18 heures. Je vais essayer de me caler sur ces heures-là. Ou alors on fera peut-être... Une semaine comme ça, là, 13-14, 17-18. Et une semaine, 9-10 heures, 11 heures midi.
On fera peut-être ça une semaine après-midi, une semaine matin. Et après le week-end, là, à la rigueur, on peut faire. À la rigueur, le week-end, on fait pas journée, mais on fait genre 22h, 3h du mat, quoi. J'ai l'air de voir ce live à quelle heure? Je vais être ton viewer numéro 1. Ah bah, c'est déjà trop tard. Déjà trop tard. Je sais plus c'est qui la première personne qui a vu mon premier live. Je sais plus c'est qui. Bon, c'était sûrement un pote. C'est genre comme ça quand tu commences Twitch, tu commences le stream. Il y a tous tes copains qui disent: ah, je vais venir voir ton live. Et mon premier follow, je sais plus c'est qui. Bah parle. Voilà. Et puis c'est qui le premier follow? Hey, j'ai de bonnes nouvelles. Mais... Not... Par Zeus, je n'en reviens pas. Je te dois la vie. Ah. C'est fini. Les brigands sont partis. Ne vous ennuieront plus jamais. Alors maintenant, vous pouvez arrêter d'assommer les gens. La déception. Ce sont les voleurs. Oh. Il y en a plus de live. Mais on peut faire les. Les enfants doivent rentrer sains et saufs à Memphis, d'accord? Oui, à la maison de Neph, avec tous les autres enfants. Je n'ai pas encore cartographié Memphis. C'est ma prochaine étape. Tu sais comment y aller? Attends, normalement, j'ai mis ça en marche, je sais plus quand là. Ça marche peut-être. Si je tape ça. Que quelqu'un dans le chat essaye de taper ça. Peut-être que ça m'a amené, ça marche pas avec moi. Salut Static Live, comment ça va? Passe-nous voir. Ah, il a une touche avec la gamine. T'as vu? Passe nous voir, viens. Passe quand tu veux, ma mère sera pas là. Pervers. Bon, ça on a fait. On a même pas gagné un level, dégoûté de la life. Hein. Là, il y a un truc à visiter. Il n'y a pas une mission qui traîne dans le coin, faut vraiment qu'on pexe. Hein. Faut qu'on farme. Hein. Non, on peut pas aller finir le camp des autres là. Là, il y a une mission. Mission combien? 24. Ça passe. On peut la faire. Bon, qui c'est qui peut écrire exclamation account. Normalement, il y a de la monnaie virtuelle sur le live maintenant. Je sais plus, plus vous regardez ou plus vous écrivez dans le chat ou je sais plus quoi. Et ça vous donne des sous virtuels qui ne servent à rien. C'est ça qui est génial. Hein. C'est que, par contre, ils ne servent à rien. Cet argent-là ne sert à rien du tout. Où la mission? Et sur le côté. Ah. Ah, ça y est. Buxley a éteint son chat, il y a pensé. De Karanis. Tu es un protecteur? Oui. Je suis un Medjay. Je t'en prie. Serviteur du pharaon. Hier, mon mari a vu quelque chose de terrifiant. Des soldats ont traîné un homme sous le temple. Ensuite, il y a eu des cris. Nous souffrons déjà de la faim et le grain manque. Maintenant, j'ai peur que les soldats emmènent mon mari. Nous ne pouvons nous fier à personne. Même pas au Phila Kitaï. Je vais aller parler à ton mari. Dis-moi où il se trouve. Il est tailleur de pierre et travaille près du temple. Mais fais attention, il ne faut pas que les soldats te voient lui parler. Je valide.
Natraxi, il part, il revient, il part, il revient. Ah, parce que tu me dis re, je t'ai pas vu partir. S'il vous plaît, une dédicace. Je l'ai fait à la Fun Radio. Une super dédicace à Oussama Saoui, en direct du Maroc. Et des bisous à sa famille, et des bisous à ses amis. Et on fait des gros bisous à tous les Marocains qui nous regardent. Donc, parle au tailleur de pierre. Le tailleur, il est là-haut. Ah. Allons-y. Tailleur de pierre, ta femme est venue me voir. Chut! Comment as-tu grimpé ici? Paramon, cette femme exagère. Je lui ai dit, que peut-on y faire? Fais comme si de rien n'était. C'est ça, semblant de rien. Calme-toi. Elle a dit que tu avais vu des soldats emmener quelqu'un sous le temple. Oui. Non. Oui. D'accord, c'est vrai. C'était pas la première fois, mais hier, j'ai entendu des cris qui auraient réveillé les dieux. Des cris atroces. Maintenant, laisse-moi avant que quelqu'un ne te remarque. Fais semblant de rien. On croirait la musique de... La musique de quoi, ça? La musique du juste prix ou un truc comme ça, quand ils déballaient les cadeaux. Et on m'a demandé... Mettre à manger au chat. Eh oui, il faut donner à manger au chat. Même regardez maintenant. Dédicace, hein, la famille d'Oussama Saoui. Promis, je repasserai au Maroc bientôt. Donc du coup, on sait plus, hein. Du coup, c'est ça, c'est le juste prix. Dédicace à Philippe Crisoli qui nous regarde. Salut Empereur 300, comment ça va? Alors, je vérifie vite fait si Yasmina Mamet, c'est bien au Maroc. Yasmina. Yasmina Maroc. Oui, c'est ça. C'est bien au Maroc. Donc voilà. Donc j'étais à Yasmina, moi, quand je suis allé au Maroc. J'ai jamais aimé, faudrait que j'y retourne. La Tunisie, j'avais bien aimé aussi. Je crâne beaucoup. Vincent Lagaffe, c'est ça. C'est ce qui devient Vincent Lagaffe aujourd'hui. Vincent Lagaffe, il brasse du pognon là. Il brasse de la thune, hein. Il a très bien compris. Bonjour. Mon ami, il se repose là, il fait une sieste. D'accord, il y a du monde. Il n'a rien vu. Ah, il y en avait un autre. Ok. Ok, ils sont beaucoup. Ils sont moins deux. Voilà. Il est où l'autre? Passe par île sur tête dans le sud. Il est où le mec? Allô? Pourquoi tu fuis? Fuis! Paf. Y'a que l'Algérie que j'ai pas encore fait. Dans le coin. Un homme appelé le boucher martyrise des paysans. Je dois le trouver. En suivant la piste du butin.
Sobek qui baigne. D'accord. Qui baigne dans l'eau. Que dalle. Sobek dans l'eau. C'est logique, hein. Sobek est un crocodile. C'est mieux. Dans l'eau. Est-ce qu'on peut faire flamber le drap? Allez, on teste le jeu. On le pousse dans ses derniers retranchements. C'est glauque. C'est glauque. Ok, ça brûle pas. C'est de la merde. Comment tu t'appelles? Théodule Mécrélude. Théodule Mécrélude. Pour ceux qui connaissent, hein, Théodule Mécrélude. Paf. La croix de la protection des fers migraines devrait susciter des troubles parmi les Égyptiens. De ce fait, conformément à ses lois, renforce les patrouilles. Oh, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Bref. On a fini ici, du coup, hein. On a fini. On pouvait faire un giveaway. Un giveaway sur quoi? Pourquoi on peut faire un giveaway? Ah si, attends, tiens. Qui c'est qui a une Xbox One dans l'eau là? Super sympa ça. Première fois que je vois ça dans le jeu. Non, clavier gamer. PS4. Ah oui, carrément, clavier gamer. Quand j'aurai 10 000 dons par jour, oui, on fera des giveaways sur deux claviers gamer. J'en ai offert à mon grand frère là un Logitech machin Mekui Mickey. Pas mal hein, petit Logitech hein. Sympa ce clavier là. Allez Chococo. C'est parti. Il y a une ruine de Sobek pas loin d'ici. Le butin du boucher pourrait y être. Il y a des gardes. Paf. Ah oui, il y a beaucoup de gardes. Non, c'est les crocos. Oui, non, il y a que deux gardes. Tranquille. Ah non. Niveau 25 quand même, hein. Alors Natraxi, quel est ton prénom? J'espère que ça te fait plaisir que je te demande c'est quoi ton prénom. Est-ce qu'on peut maroufler? Jamais on me voit ici. On va pouvoir maroufler. Mais non, mais plonge, sac à merde. Devine. Bonjour. Je me baignais tranquillement. Quand soudain.
Paf. Il y a une gravure qui représente Sokno Payo, un village à l'ouest d'ici. Moult trésor, moult argent. Dans des sacs utilisés pour le grain. Est-ce que ça vient d'un grenier? Le blédard, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi il a pris cher? Laisse-moi tranquille. Voilà. En plein camp, c'est tranquille. Pépère. Devine, ça a aucun rapport avec ton surnom. Enfin, avec ton pseudo. Non, non, c'est pas moi. Je vais vérifier l'état des pierres. Il n'a rien vu. Ah. Comme ça, il est empoisonné. Direct. Bonjour. Un petit bâtard, il se met là-bas. Et où l'autre? Et voilà. Combien là? Faut courir plus vite. Je viens de partager de l'ave avec mes amis. C'est cool, merci Osama Sui. On va pas tarder à arrêter, arrive un peu tard là. Salut Mrohan. Comment ça va? Le 24 décembre. Pif, paf, pouf. J'ai déjà plus de flèches. Ah ouais. Je vais descendre en chercher. Toi, je te déchiquette. D'où ça vient ça? Je te déchique. Ah, d'Harry Potter. Pour PlayStation. Ah, ça, on l'avait vu venir, hein. On nous l'a fait pas à nous, hein. Paf, paf. Moi aussi j'ai de la fumée. Voilà. Ah, mais par contre, ça le one shot la fumée. Ça a un rapport avec mon prénom. Ah. Donnez des idées dans le chat. Alors, Natraxi. Natraxi. Natraxi, Natraxi. C'est un rapport. Ça y est, je sais. Natsuke. Natsuke. Pareil, pour ceux qui ont compris la référence. Natsuke. Natraxi, ouais, je vois pas le rapport avec un prénom, mais... Natraxi. C'est un anagramme. Alors du coup, faut trouver un prénom avec un X et un Y dedans. Compliqué. Là où ça se fight, hein. Non. Ah, y a du monde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a autant de monde? Oula. Ouais, je vais partir. Salut à toi, Osama Sawi, ça fait plaisir que tu sois passé. Non. Non. Pas un anagramme. Alors. Nathan. Oui. Oui, ça commence par NAT, ouais. Pas faux. Nathan. C'est joli comme prénom. Pas courant. J'en connais un seul, je crois. Ouais, je connais un seul Nathan. Enfin, j'ai connu un seul Nathan, parce que j'ai connu, je crois, au lycée, au collège, je sais plus. Ah, il y a un autre joueur là-bas. Il a été tué par les flammes en rose. Pas normal, ça. Oui. Alors, qui c'est qui t'a buté? Oui, tué les coupables. C'était Ken the Human qui s'est fait buter. Au revoir. Président. C'est de Croco. J'aime la lettre X. Mais c'est bien parce que tu peux la retourner, elle fera toujours la même chose. Hippopo. Le
manger. Paf. Just kidding. So cute. Je confirme la mort. Incroyable. Là, je devais m'appeler Luxus, mais c'était déjà pris. Ah. Elle est souvent comme ça. Hein. Des pseudos qui sont pris facilement tout de suite. Laisse-moi monter sur ton embarcation, jeune pêcheur. Eh bien, tiens, on va pouvoir... J'aime bien le faire aussi, ça. Hop. Peut-être un peu loin, là. Ça touche. Ça exsue. J'adore le faire, enflammer les... Allez. Touche ou pas? Un peu loin hein, pour le ralenti là. Eh oui, c'était sûr. L'exploser. On pourrait le faire exploser avec la. Enfin, pas exploser, exploser, mais. Moi, je suis enflammé là. T'as touché ou quoi? On vise comme une merde. Que lui là, je l'enflamme lui. Quoi? Ah oui non, c'est un snipe donc il drop pas tellement quoi. Enflamme-toi. C'est bon? C'est bon, c'est enflammé. Ah ça a touché là. Rien enflammé du tout d'ailleurs par contre. Vas-y, attends, approche-toi. On va l'enflammer le machin. Tu vas voir. Ah si ! Oh, j'ai pété le bateau. Lol. Incroyable. Attention. Embuscade. Attends, bouge pas. Je vais t'enflammer ton bateau. Hé, reviens. Non, sur ce type d'arc là. Salut à toi, Uriliv et Zlatan 39. Zlatan. Bon, ça on a fait hein, la mission là. Hein. Voilà. Là, il y a un nouveau lieu à découvrir. Là, c'est toujours comme ça, quand tu commences à vouloir arrêter le live, il y a plein de gens qui arrivent. Animal sauvage. Où ça? Un hippopo. Ah bah évidemment, on a plus de... On a plus de flèches. Allez hop. Putain, il encaisse en tout cas. On n'a pas... Voilà. Attends. Go. Un œuf et toi tué par un croco. Défi fin de live. Lol. On a un PG, mais on va pas se faire buter par un croco. Elle est où l'autre bestiole? Ah non, c'est bon. Tiens, pour la peine, je crame ton bateau. Voilà. Crame celui-là aussi.
Non, je crame celui avec les gens dedans. Au moins. Paf. Brûle. Brûle avec ton embarcation. Passe pareil. Brûle. Genre ça brûle pas. Nul. 2 sur 20. Ah, j'ai plus du tout de flèche. Bon bah voilà, combien là, 2h20 déjà. Hein, allez faire une petite sieste pour être au taquet ce soir. Paf. Hop là. Encore saigné. Mais là t'es pas en forme aujourd'hui. Hein. On va bien se reposer là. En demain ou après-demain. On retapera les lives de 4-5 heures. Là, je sais pas, j'étais pas dedans, là. Trop de farming, trop de pex, c'est chiant. Et là, malheureusement, il n'y a pas de croco dans le coin. Un Atraxi, hein. Et en plus, c'est vrai, il n'y a pas de, croco autour, là. Je peux me faire buter par un pêcheur, mais... Pour la fin, dédicace. Dédicace de quoi? Dédicace à Empereur 300 qui est sur le chat mais qu'on n'a pas entendu parler. On a Buxley qui est revenu, mais Buxley il est en mode bot automatique. Des bisous à Buxley hein, qui nous a fait un sub hier, ça fait super plaisir. Merci à lui. Natraxi évidemment, chatter numéro 1. Neo qui a fait un coucou. Oussama Saoui qui nous fait des coucous du Maroc. Senzanom qui nous a fait des coucous aussi. Qui part, qui revient hein, des fois aussi. On a Uri Liv qui vient d'arriver. Zlatan39 qui vient d'arriver aussi. Voilà, dédicace à tous les viewers. À tous les tétards. Pour ceux qui le sont. Fier, fier d'être un tétard. Ah, rayon. Voilà. Je sais pas s'il y a une musique sur cette scène là. J'arrive même plus à parler non plus. J'ai froid à la tête maintenant. C'est mieux avec. Là, j'ai rajouté les emotes de sub tier 2 et tier 3. Normalement, qui ont été validés par Twitch. Vous avez. Je mets ça dans le chat. Et sur les réseaux sociaux, dans les campagnes et dans les villes. Mec, t'as des yeux. Ah ouais, non, j'ai les yeux explosés aujourd'hui. Puis ce matin. Ça, c'est la nuit sur Euro Truck Simulator. Hein, ça m'a. Je m'endormais dans le siège, c'était incroyable. J'ai fait 900 bornes. Maintenant, vous avez le sub, l'icône de sub, l'icône de sub tier 2. J'arrive à le mettre. Je passe pas, si. Allô ? Et l'icône de sub tier 3. Qui deviendront les icônes, enfin non, qui sont pas, qui sont les emotes de chaîne là actuellement, et on verra plus tard qui deviendront sûrement les icônes de sub. Accepte-moi en ami, tu m'as pas fait de demande. Tu m'as pas fait de demande, je crois. Non. Non. Est-ce que Stone il lost encore? Lost plus. Il lost. Oula, putain, j'arrive plus à parler. Ça va être compliqué de tenir un soir ce soir.
Ah non, il stream plus. Y'a personne qui stream là. Bâtir, non, Sierra non plus. Jules, Benzaïmus, Percy, Light, Stone, Pot Astéro. Y'a personne. Attendez, attendez, attendez. Vous voulez bouffer du Assassin's Creed? Qui c'est qui stream du Assassin's Creed là? Bon, on a Mrohan qui est passé nous voir sur le stream. Qui stream? Qui stream avec 16 viewers, premier stream francophone. Ça pète, et bah tu sais quoi, on va le hoster lui. Donc restez sur le stream, hein, on va le hoster. Il est en... Ah oui, 4800 follow, on joue pas dans le même cours. Gros streamer. Bon, même s'il stream bien, j'aime pas trop hoster les gros streamers. Je trouve qu'ils en ont pas besoin. Je préfère hoster les petits. Ça fait... En plus, quand tu stream un petit streamer qui a pas énormément de viewers, ça lui fait... je trouve que ça lui fait 10 fois plus plaisir. Crash, Géo, Sajan, etc. Ok, Dieu, Neurotechnique. Billy Stream. Ça, ça stream plus, si. Tiens, bah vous allez voir. Salut Esteban. Fox 22, comment ça va? Tiens, bah vous allez aller voir. Attends. Até. But 60. Bon. Paf. But 38. Vous allez aller voir un streamer qui fait la quête pour avoir la monture, l'épée et le bouclier de Final Fantasy. Il est en train de la faire là. Ah, justement, je vais vous host tout de suite là parce qu'il va arriver, il va les avoir là. Bon, des bisous Twitch. On se retrouve peut-être ce soir, sûrement demain. N'hésitez pas à follow la chaîne pour être au courant des prochains lives. Les subs sont à moins 20%. Des bisous. Bisous partout. Ah putain, il connaît pas ça. Genre, il connaît pas ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Je dis host. C'est John. But. 68. Paf. Des bisous. De ce commande remaining, c'est y a le favor. Et B. Il va nous pouvoir jusqu'au bout le chat là. Pourquoi ça ne marche pas? Si c'est bon. Si il est dans le cinéma, c'est bien.